Alors, tu joues à quoi là sur Roblox? Ah, mais là, je suis en train de jouer à un truc de musique. Et moi, je veux trop changer mon skin sur Roblox, mais ils n'aient pas de Robux. Ah, mais moi aussi, j'aimerais trop, ça serait trop bien. Mais bon, comme on n'est pas riche, c'est un peu chiant, quoi. Ah bah attends, j'ai reçu un message. Attends, De c'est qui? quoi? Je ne le connais pas, lui. C'est qui? C'est qui? Je vais aller voir son profil. Il a un skin et tout. Il va avoir des Robux, lui, hein. Ah ouais? Fais voir! Regarde. Voilà, sur l'écran. Ah ouais! Mais stylé, son skin! Punaise, j'aimerais trop avoir pareil! Attends, il veut quoi, lui? Ah, Vas-y, le message! mais t'as vu, il veut me donner des Robux. Quoi? Ah oui, bah regarde. Vrai? Il a dit ouais, si tu veux, c'est une technique pour avoir plein de Robux et tout. Ça te dit, ça t'intéresse et tout? Bon, moi, ça Ah m'intéresse. ouais. Moi, Ok, ça m'intéresse. attends, ça a l'air trop bien et tout, mais tu sais, genre, il y a plein de trucs comme ça, c'est des arnaques, il faut pas se faire avoir. Tu peux te faire avoir et après, tu vas plus pouvoir te go sur ton compte si tu te fais avoir. Bah, au pire, pour être sûr que je me fais pas arnaquer, je lui demande si c'est une arnaque. Vas-y, mais même si c'est un arnaqueur, il va te répondre que c'est pas une arnaque. C'est logique, non? Pourquoi il mentirait? Ah, oh, vas-y, demande-lui. Ok, je vais lui demander est-ce que c'est une arnaque ou légale? Voilà, j'envoie ça. On va voir ce qu'il répond. En tout cas, moi je suis trop contente. S'il me donne des Robux et tout, je vais faire un nouveau skin. J'avoue, ça serait cool si c'est vrai. Si c'est vrai, tu m'en donnes des Robux. Ah, bien sûr, je te fais un tout nouveau skin et puis après, elle se fait un nouveau serveur sur Roblox et puis je t'invite dessus et tout, hein, et on sera super riche. Merci, c'est trop bien. Ah mais attends, je vais penser à un truc. On peut pas donner des Robux. C'est trop nul. C'est vrai ça. Ah mais imagine, ça marche. Je prendrai le même site que toi. En fait, il me demande de lui donner mon compte et il va faire la technique dessus parce que lui, il a un logiciel super ultra machin, c'est pas quoi. Et Je si dis ça ça, je dis marche? rien, mais là, je crois que tu vas te faire arnaquer. Et si ça marche? Si ça marche, après, je lui dis de le faire sur ton compte. Comme ça, Ok, vas-y. Bon, bah, courage, hein. ok, alors, tiens, ça c'est mon compte, voilà. Hop, voilà, j'ai envoyé mon compte et puis on va voir Avec ce que ton ça mot de donne. passe et tout? Bah ouais, il m'a dit que c'était pas une arnaque, donc c'est bon, Oh, je le aïe, crois. aïe. Aïe, 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 la naïveté. J'ai peur pour toi. Allez, on attend. Ça m'a déconnecté de mon compte. Attends, je vais essayer de me reconnecter, voir s'il a fini. Tu sais ce que ça veut dire? De quoi? Comment ça? Mais ça t'a déconnecté. Bah ouais, ça m'a déconnecté, ouais. Pas grave, faut se Est-ce que t'arrives à te reconnecter? reconnecter. Non? Je sais pas pourquoi Je ça me dit que t'avais pas le. prévenu. Pourquoi ça me dit que le mot de passe il est pas bon? Tu veux que je t'explique? Alors, Ouais. j'avais raison depuis le début, c'est-à-dire que tu t'es fait arnaquer et t'es vraiment trop conne. C'est pas comme si je te l'avais dit. Mais non, mon compte. Bah, bon, tant pis, c'est qu'un compte Roblox. Au pire, je me recrée un nouveau compte. Mais t'es trop nul. Genre, ce compte-là était trop bien, t'avais plein d'avancées dans des jeux, on avait avancé dans des jeux ensemble, et t'avais des heures de jeu dans des trucs, et tu te le fais arnaquer parce que t'es naïve, et du coup t'es obligé de refaire. Attends, t'es ma meilleure pote, t'es ma bestie, best forever to the life with you. Et t'es censé me dire, c'est pas grave, t'inquiète pas, tu vas te refaire. Attends, tu me stresses là, tu me stresses, Céline. Ah, je suis désolée, Marjorie, mais le truc c'est que, en fait, j'essaye de. C'était moi, comme je suis une bonne amie, je t'ai prévenu que t'allais te faire arnaquer. Et tu Ouais, m'as pas écoutée, alors que je suis censée être ta bestie de toute la vie. C'est vrai, moi je dis, on se dispute pas, c'est pas grave. Ok. On va pas se Pas disputer, grave. je vais mettre la télé, c'est pas grave, on va regarder. On va regarder. Peppa Je Pig. sais pas. On regarde Peppa Pig. Ah, oh, ok, on va regarder Peppa Pig. Retard, Céline.
Marjorie. Salut Céline. T'attendais? Non, ça va pas là. Ça va pas du tout. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Alors, pourquoi? Pourquoi tu vas me dire pourquoi tu m'as insulté de partout sur Roblox? Attends, quoi? Mais c'était pas insulté. Pourquoi tu dis ça? Si, tu veux voir? Regarde. Tu m'as insulté. Regarde, regarde, regarde comment tu m'as insulté alors qu'on est censé être bestie, besta, bestie de la vie. Et c'est pas moi sur le compte, tu te rappelles pas? T'étais avec moi hier. Ah ouais, c'est ça, ouais, quelle bonne excuse. Mais c'est pas une excuse, tu te rappelles pas hier, j'ai voulu donner mon compte pour avoir plein de Robux et j'ai pas pu récupérer mon compte. Oui, c'est ça, c'est qu'une excuse. T'as fait mot de passe oublié, t'as récupéré ton compte et t'es allé m'insulter parce que t'as cru que j'allais plus regarder ton profil. Mais pourquoi j'aurais fait ça? Mais parce que tu m'aimes pas et que t'es vraiment méchante. Alors Tessa, t'étais ma meilleure bestie for life, for the life of the monde de l'univers. Et non. Mais ah, si. Ça sonne. Mais t'inquiète, on en parle après, je te montre si tu veux mon ordinateur et tout. Ouais, c'est ça ouais. Bon allez, j'espère que tu vas mourir en cours. Quoi? T'es pas gentil, d'abord. Bonjour, bonjour. Bonjour. Il est où votre professeur là? Bah, ne voyez pas, il est gros là. Ah, ok. Ouais, il est là. Bonjour, monsieur le professeur. Excusez-moi d'interrompre votre classe, mais il nous faut apparemment. Attendez, je regarde ma liste. Une certaine Marjorie. Oh. Ok. Ah, bah, c'est la fille qui est là. Ok. Mais oui. Bon, ma petite Marjorie, il faudrait que tu nous suis, s'il te plaît. Mais qu'est-ce qui se passe? Petite Marjorie, retourne-toi. Alors, tu vas venir avec nous au poste. T'es là officiellement, tout simplement, mise en garde à vue par l'État, par la police de Brookhaven. Du coup, tu peux garder le silence et tout ce que tu vas dire sera retenu contre toi, tout simplement. Et tu pourras avoir un avocat commis d'office. C'est nécessaire, les menottes. Allez, marche. Bouge. Dépêche. Vache, Marjorie. Qu'est-ce que c'est fait, monsieur? Dans la voiture, now. Voilà. Allez, c'est parti. Hop. Allez, montez, collègue. Collègue? Bon, collègue, vous allez rester ici, vous allez marcher. Ah, c'est bon. Mais j'ai rien fait, moi, monsieur. On va voir ça au commissariat. Pour l'instant, gardez le silence. Alors, ma chère petite Marjorie, savez-vous pourquoi vous êtes là? Non, absolument pas. Je comprends pas. Comment ça, vous le savez pas? Eh non, monsieur, je sais pas pourquoi je suis là. Écoute-moi, ma petite Céline. Enfin, plutôt Marjorie. Je vais pas rigoler avec toi, ok? T'as fait un crime très très grave, surtout à l'époque où on est. Du cyberharcèlement, sais-tu qu'est-ce que c'est? Vu que tu l'as fait. Je sais pas, non? C'est quoi? T'as fait des menaces de mort sur... Attends... Un réseau social qui s'appelle Roblox. Menace de mort. Effectivement, oui. C'est marqué noir sur blanc. Menace de mort. Mais j'ai jamais menacé personne, moi, monsieur, je vous jure. Ah bah pourtant, on a eu des plaintes contre toi directement. Et il y a ton nom qui est sorti et ton nom de famille. Du coup, ça peut être que toi. Et on a aussi des preuves. Mais monsieur, j'ai jamais fait ça, je vous jure, j'ai jamais menacé personne de toute ma vie entière. Alors, la plainte a été posée par une certaine Céline. Du coup, si vous niez les faits, je pense qu'on va appeler la principale concernée. Et il y aura un débat, une confrontation qui va avoir lieu tout simplement pour démêler la vérité du mensonge. Mais monsieur, c'est juste que mon compte il s'est fait pirater, c'est pas moi qui ai fait ça. Ah, c'est pas mon problème. On a fait une plainte contre vous, si votre compte a été hacké, il a été hacké. Voilà. Mais c'est votre nom qui est sorti, du coup c'est pas le nom du hacker. Mais monsieur, je vous jure, c'est pas moi, mes parents ils vont pas être contents. S'il vous plaît.
Ah, fallait réfléchir, ma petite Céline, avant de commettre ce crime irréparable, malheureusement. J'ai rien fait, moi, monsieur. Comme on dit dans mon métier, t'es cuit. T'es mort. Non, t'es pas mort. Oui, non. Bon, du coup, je vais aller chercher la personne et vous allez en débattre un petit peu. On va assister à tout ça et on va voir un peu la vérité ou pas. Je vais me noter juste à la chaise. Hop, voilà, t'es me noté à la chaise. Je suis pas une délinquante. Ferme-la. Comment je vais faire, moi? Vas-y, entrez. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Céline, c'est toi qui as fait ça? Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je te faisais confiance et toi, tu portes plainte contre moi. Moi, j'ai juste fait mon devoir, parce que là, en fait, c'est allé trop loin. D'accord, tu peux m'insulter, bon, déjà, c'est grave, mais en plus, t'as continué, et là, t'as fait des menaces de mort. Comment c'est possible? Mais tu sais très bien que jamais de la vie, je te ferais des menaces de mort, t'étais ma bestie. En plus, tu sais très bien qu'on était ensemble au moment où on m'a piqué mon compte, et que c'est pas moi qui t'envoie des messages. Tu dis ça, mais je t'ai montré les messages, tu les as vus. De ton compte, j'ai reçu les trucs et je sais très bien que t'es pas bête. T'as récupéré ton compte et t'es allé m'insulter exprès. Et pour mais y a aucun intérêt à ce que se fasse ça. Pourquoi je ferais ça? Moi, je voulais juste avoir des Robux gratuits. T'es méchante. T'es trop méchante. Je croyais pas que t'étais comme ça. Attends, ah ben voilà. Ah, tu viens de m'envoyer un autre message. Regarde. Regarde. Mais c'est pas moi. Mais monsieur, monsieur, vous voyez bien que j'ai pas mon téléphone. S'il vous plaît, asseyez-vous, voilà, s'il vous plaît, tous les deux dans vos places. Et vous veuillez arrêter d'envoyer ces messages quand là vous aggravez votre cas, déjà qu'elle est très très grave. Du coup, je pense que vous aurez une augmentation au niveau de l'amende. Bon, est-ce que je conclue tout ça? Écoutez, vu que vous êtes encore mineur, cette fois-ci ce sera un avertissement par la police super bien qualifiée de Brookhaven. Du coup, quoi, si mais vous... plus c'est qui parle ici? C'est qui a le badge? Moi, elle mérite plus. C'est qui a le badge? Regarde le badge brillant. Je m'en fous de votre badge. Tu veux aussi avoir un avertissement? J'ai pas besoin d'avoir d'avertissement, j'ai pas fait infraction à la loi. Mettez-lui une amende, monsieur, elle mérite. Madame, pour la force policière que j'ai fermée là, s'il vous plaît, merci. Bon, du coup, ma petite Marjorie, vu que vous avez porté atteinte à la vie de Madame Céline qui est juste là, c'est très très grave parce que vous avez fait des menaces de mort. Du coup, c'est un avertissement et ça comptera dans votre casier tout simplement. C'est-à-dire votre casier n'est plus vierge. Si vous allez trouver un travail plus tard dans votre vie d'adulte, ce sera noté rouge sur blanc. Hein, en gras en plus, les textures en gras, pour bien comprendre que vous avez fait ça. Et si vous avez quoi que ce soit, par exemple, vous avez fait un délit dans la rue, vous serez arrêté directement quand vous serez majeur, parce que vous avez eu déjà un avertissement. Et là, il faudra que vous payiez une amende qui s'élève au-delà des à peu près 1500 euros. Quoi? Mais monsieur, vous avez très bien vu que je n'ai pas envoyé de menaces. Ils n'avaient même pas mon téléphone quand elle a reçu son message, c'est une preuve, ça. Écoutez, ma petite Marjorie, vous aurez directement à votre domicile la lettre de l'état des juges avec tout simplement l'amende à payer. Si vous ne le payez pas, on va débarquer chez vous, défoncer votre porte, mettre votre maison en dessous-dessus et puis vous arrêter tout simplement. Car cette madame Céline, ici, qui est une citoyenne modèle de cette ville, nous a envoyé toutes les preuves qu'il fallait pour vous arrêter. D'accord, bah c'est bon, il se dit plus rien. Voilà, bon, du coup, sur ce, voilà, ça a été délibéré de votre sort, madame Céline. Vous êtes définitivement exclue du camp. Ah non, excusez-moi, ça c'est Colunta. Bon, sinon, vous pouvez rentrer chez vous. Bonne journée. Moi, je vais aller bouffer des donuts. Ça, c'est le karma. T'es méchante, je t'aime plus. C'est moi qui devrais dire ça. C'est ta faute, tout ça. Tu devrais avoir 20 milliards d'amendes et tu devrais aller en prison pendant une semaine. Mais
Mais mes parents, ils vont déjà me punir. 1 500 $, je dois payer à cause de toi. C'est pas toi qui dois payer 1 500 $, tu t'en fous parce que c'est tes parents qui doivent le faire. Bah ouais, mais nous, on n'a pas 1 500 $ à payer. On n'a pas d'argent, nous. Bah chérie, je suis bien contente. Vu toutes les menaces que tu m'as faites alors que je croyais qu'on était bestie de la vie. De toute façon, t'es même plus ma bestie du tout, de aucun monde, aucun univers, on est amis. T'es pas une bestie, t'es la pire des besties, d'accord? La pire. Bah ça c'est sûr, hein, toi aussi t'es la pire et je veux plus jamais entendre parler de toi, je vais rentrer chez moi. Et toi, tu dégages de ma vie. Ouais, t'as raison. Allez, au revoir. Je te dis même pas au revoir, d'accord? Ha! Oh, mes parents ils sont pas encore à la maison, mais je suis grave dans le caca. Bon, faut que je trouve une solution. Il faut que je récupère mon compte parce que si il envoie encore des messages avec mon compte, je vais être dans la merde et la police va me mettre en prison. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Oh, je sais. C'est l'ordinateur ici. C'est simple, je vais demander à... En plus, il est connecté. Il sait pas que ça, c'est mon compte, mon nouveau compte. Je vais lui envoyer un message. Je vais lui dire... j'ai une technique pour avoir plein de Robux gratuitement. Ça t'intéresse? On va voir ce qu'il répond. Ah, il m'a déjà répondu. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit... Ok. Ok, ok. Il veut bien. Oh, ah, je vais pouvoir récupérer mon compte. Ah, il me faut ton compte pour faire la technique. Que ça va marcher. Moi que ça marche. Moi que ça marche. Il est en train d'écrire. Il est en train de me répondre. Ah, c'est bon. Il m'a donné le mot de passe de mon compte. Je vais me connecter rapidement. Je vais vite mettre un mail. Et puis je vais changer de mot de passe et tout. Voilà. C'est bon. J'ai récupéré mon compte. Bon, maintenant, j'ai supprimé tous les messages de menaces, d'insultes. Il envoyait à toute ma classe. Maintenant, il y a toute ma classe qui me déteste à cause de lui. Toute mon école, elle va me détester. Mais bon, au moins, j'irai pas en prison. Hop là, voilà, c'est bon. Ouh, c'est bon, j'ai récupéré mon compte. Oh, ça fait du bien. Je vais pouvoir déstresser maintenant. Ça commence à me stresser. Bon, j'ai perdu tous mes amis là-dedans. Mais bon, tant pis, hein, si... Et que c'est pas des vrais amis s'ils me croient pas. Tant pis, c'est pas grave. Au moins, je vais pouvoir reprendre ma vie normalement. Ma chère Marjorie, ça va pas en rester là. C'est pas encore fini.